tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je remercie dans un premier temps les nouvelles abonnées de m'avoir rejoint sur ma chaîne et je remercie également mes fidèles abonnés. Comme je vous avais dit en début d'année, donc la première vidéo de 2022, que j'allais faire une fois de temps en temps, donc dans tous les partenariats que j'ai eus en 2021, j'allais mettre à l'honneur ou pas, voilà, mais bon, puisque je parle d'eux quelque part, je les mets à l'honneur, après en bien ou en mal, on va voir, mais j'allais mettre à l'honneur un partenariat durant l'année 2021. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu de ce partenariat, donc les vidéos vont se passer comme ça, vous aurez dans cette vidéo, vous aurez toutes les toiles que j'ai reçues du partenariat, le nombre que j'ai reçu, ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire et ce que j'en pense. Voilà. Donc aujourd'hui, on commence avec le partenariat à Diamond Painting. Donc le partenariat à Diamond Painting donc, a été le premier partenariat que j'ai eu sur ma chaîne. Les premiers à m'avoir fait confiance. Donc du coup, j'ai un petit quelque chose avec eux qui font que, voilà, c'est eux les premiers à m'avoir fait confiance sur ma chaîne, sur le partenariat. Après, il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que c'était les premiers à m'avoir contacté. Donc, du coup, voilà, j'ai un petit truc avec eux, je sais pas comment vous expliquer, mais je me vois pas refuser leur partenariat. Voilà, parce que c'était vraiment les premiers. Alors, chez eux, comment ça se passe? Donc, quand ils nous contactent, ils nous demandent si on souhaite un partenariat avec eux, etc. Soit on leur dit oui, soit on leur dit non. Pour mon cas, vous savez très bien que je leur ai dit oui. Et du coup, on ne choisit pas leur toile. Voilà, on ne choisit pas les toiles. Voilà. Ils nous disent qu'ils vont nous envoyer des toiles de chez eux. Voilà. Et qu'il faut en faire une vidéo. Et qu'il faut mettre absolument le lien de leur site et le lien d'étoiles qu'on reçoit. Voilà. Bien sûr, il faut en faire une vidéo. Hein. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Par contre, il y a 4 mois, ils m'ont recontacté. Et là, par contre, cette fois-là, ils m'ont laissé choisir 2 toiles. Voilà. Ils m'ont dit, vous choisissez 2 toiles. Donc, la deuxième fois, donc la dernière fois, en fait, le dernier partenariat avec eux remonte à il y a 4 mois. Et c'est eux qui m'ont laissé choisir l'étoile. Donc, en tout, j'ai pris les petites notes. Donc, en tout, pour ce partenariat avec Diamond Painting, j'ai reçu en tout et pour tout 14 toiles en partenariat. Voilà. Et il m'en reste encore juste, voilà, 3 à faire. Donc, je vais vous les montrer dans l'ordre où je les ai reçus. Et après, je vous dirai ce que j'en pense en étant tout à fait honnête sur vraiment ce que j'en pense. Alors, la première... Ben, je vais peut-être vous descendre. Comme ça, vous les verrez peut-être mieux. Voilà. Donc, la toute première que j'ai reçue, donc, il y a 1 an, celle-ci. Hein, donc, ils m'ont contacté en décembre 2020. Donc, on va dire que je les ai rentrés dans 2021. Donc, c'est ces 2 petits bonhommes de neige ici. Voilà. Alors, vous voyez, elle n'est pas encore encollée, rien du tout. Elle était restée comme ça en attente. Bon. Voilà, il y en a d'autres qui ont été encollées et d'autres pas du tout. Donc, voilà, le premier. J'ai ensuite eu celui-ci que j'ai appelé la femme lisse. Voilà, celle-ci a été faite. Alors, la première, c'était du diamant rond. Celle-ci, elle a été encollée. Celle-ci, c'est du diamant carré. Donc, c'est une 30-30. Ensuite, j'ai reçu... Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Elle est passée là. Celle-ci, elle n'est pas faite. Ça doit être du diamant rond. Ouais, c'est du diamant rond. Et celle-ci, par contre, donc c'est les roses rouges. Et celle-ci, par contre, n'a pas été faite. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était dans mon partenariat qui datait d'il y a 1 an maintenant. Enfin, plus d'un an, hein, puisque le contact a été au mois de décembre. Donc, je l'ai reçu courant décembre, ces petites roses. Je vais peut-être même, d'ailleurs, vous remonter un petit peu pour que vous voyez vraiment mieux. Hop, voilà. Ouais, si je le mets comme ça, vous voyez, complète. Voilà. Donc, du coup, celle-ci, je vais la faire, du coup, rapidement.
puisque dans les DP de l'année sur le groupe, on a la couleur dominante, le rouge. Je pense que je suis bonne, j'ai pas mal de rouge sur la toile, donc je vais essayer de la rattraper rapidement parce que celle-ci, elle date quand même depuis plus d'un an au niveau des partenariats. Donc ça a été, et j'ai, attendez, j'ai également eu celle-ci en diamant rond, qui sont les petits loups avec un attrape-rêve. Donc ça, c'est le premier partenariat que j'ai reçu de leur part, donc il y avait 4 toiles, donc j'en ai réalisé 3 sur 4. Ensuite, il y a 7 mois, il y a eu un nouveau partenariat avec eux. Même deux. Je les ai mis tous ensemble parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu la tête de loup partielle, celle-ci, qui a été encollée. Voilà. Elle est magnifique, cette tête de loup. Ensuite, il y a eu le petit chat d'Halloween qui a été fait cette année pour Halloween, hein, puisque bah, il y a 7 mois, Halloween était passé. Donc j'ai dit bah j'attendrai. Vous voyez, elle n'est même pas encore encollée. Mais il y a des choses qui vont être faites rapidement. Qui vont être encollées rapidement. J'attends juste un petit truc qui va arriver et je vous en parlerai. Donc du coup, le petit chat d'Halloween que j'avais reçu à 7 mois. Alors la tête de loup partielle est à 11,49. Alors je vais peut-être vous redonner les prix. Si ça vous intéresse d'aller sur le site. Le site c'est adiamondpainting. Je vous remettrai en barre d'infos. Donc ici, c'est les deux bonhommes de neige en 30-40 qui sont à 8,84 €. Ensuite, on a du coup la Famlisse, celle-ci est à 8,84 € également. Je vous ai pris les prix actuels, hein. Ensuite, les roses rouges qui sont ici sont à 8,84 € également. Ouais, ils sont beaucoup sur les 8,84 €, hein. Voilà. Les deux loups, 8,84 € également. Donc, tout le partenariat. Ouais, je vous montrerai à l'endroit, ce serait bien. Tout le partenariat était à 8,84 € l'étoile. Prix actuel. Ça a un petit peu augmenté. Je me suis rendu compte qu'il y a eu quand même une petite augmentation par rapport à l'année dernière. Ensuite, la tête de loup partielle, par contre, elle est à 11,49 €. Voilà. Mais bon, elle est vraiment. Très très joli. Ensuite, donc le petit chat d'Halloween, donc que j'ai réalisé donc en octobre ou enfin, en octobre 2021, est à 8,84 € aussi, donc des diamants ronds. Ensuite, j'ai reçu le chat ici à long poil en 30-40 également. Elle est à 8,84 € en diamant rond, enfin moi je l'ai eu, j'ai reçu en diamant. Ce chat est juste magnifique, magnifique. Ensuite, j'ai reçu un couple de Saint-Valentin. Moi, voilà, celle-ci un peu en abstrait. Enfin voilà, celle-ci vient d'être réalisée pour l'année 2022. Je l'ai rentrée dans mes défis couple 2022 sur le groupe. Voilà, donc elle vient d'être faite il n'y a pas très longtemps. Et il y avait 7 mois que je l'avais. Et je m'étais dit, je vais la garder. Je ne vais pas la faire de suite. Je vais la garder. Comme ça, elle sera faite. Donc, vous voyez, comme ça vous permet de la voir maintenant. Je vais vous dire après une note globale de ce que je pense de tous les DP. Hein. Du moins, de tout ce que j'ai réalisé. Voilà, je vais vous donner après le détail. Donc, celle-ci a été faite il n'y a pas longtemps. Celle-ci, elle est également sur leur site à 8,84 €. Ce quand je l'ai reçue. Je me suis dit, bah, c'est pas trop le moment. Donc, j'ai dit, bah, je la garderai pour l'année prochaine. Donc, je l'ai réalisée ici en janvier pour les couples. Voilà. Ensuite, donc, ça, c'était le premier que j'avais reçu il y a 7 mois. Et le deuxième, il y a 7 mois, j'avais reçu le bouquet de roses ici. Tout en. Alors, c'est un partiel, mais tout en diamants aussi spéciaux. Je la trouve également magnifique. Celle-ci est à 11,49 €. Donc j'ai l'impression que tout leur toile partielle en diamants spéciaux tourne autour de 11,49 €. Celle-ci, c'est une 35-45, mais avec les bords. Voilà. Ensuite, j'avais reçu l'éléphant. Alors, celle-ci, l'éléphant est à 8,85 €. C'est une 36 sur 26.
Ah, je la trouve magnifique. Je trouve magnifique cette toile est superbe. Voilà. Ensuite, j'avais reçu le Père Noël il y a également 7 mois. Voilà, hein, je vous en avais parlé. Alors, pourquoi il y a encore le papier dessus? Parce qu'il me manque encore des diamants. Mais comme Noël est passé, donc j'ai essayé de la faire au mois de décembre. Hein. Comme Noël est passé, ben maintenant, je ne m'affole plus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de membres qui m'ont aidé sur cette toile. Donc, je sais qu'ils me suivent sur YouTube et qui sont également sur le groupe. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Là, je l'ai complètement laissé tomber. Je me suis dit la référence manquante, qui m'en manquait vraiment beaucoup, beaucoup. Je m'étais dit, dans l'année, je vais bien finir par la trouver et je la terminerai. Donc ça, on va en reparler après. Et j'avais reçu la toile d'automne, celle-ci. Elle est également terminée. Voilà. Donc ça, c'était il y a 7 mois. Alors celle-ci, c'est du diamant carré. Et j'ai reçu il y a 4 mois. Vous voyez, elles sont encore là parce que ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup de partenariats et je n'ai pas eu le temps de les terminer. J'ai encore eu 2 toiles qui sont encore ici que je vous avais présentées mais que je n'ai pas encore fait. C'est, je vais vous les remontrer du coup. Et tout est encore dedans. Donc celle-ci, que j'ai pas encore faite. Je vais vous montrer peut-être la photo. Voilà, c'est une femme avec un papillon. Voilà, dans les couleurs un peu orangées. Hein. Pas mal d'orange. À voir les diamants, de toute façon, vous comprenez. Il y a beaucoup de couleurs chères, de l'orange, du marron. Donc voilà, elle n'est pas encore faite. Donc je vais m'y atteler. J'ai décidé de ne plus laisser comme ça traîner les partenaires. Mais bon, c'est vrai que j'en ai eu tellement. Et puis là, bah, on est dans les défis du groupe. Donc, si certaines rentrent dans les défis du groupe, bah, c'est bien. Si malheureusement, ils ne rentrent pas dans les défis du groupe, bah, du coup, voilà. Donc, celle-là que je vous présente est... Et forcément, les fleurs, les roses, je vous en reparlerai en temps voulu quand elles seront terminées. Hein, je referai, comme j'ai l'habitude de faire, voilà, une toile terminée d'un partenariat. Hein, comme ça, voilà. Et celle-ci, ben, je ne vais peut-être pas vous la déballer, du coup, je vais vous la montrer sur image. C'est un couple. Voilà, là, c'est vraiment un couple abstrait. Voilà, donc voilà l'ensemble des partenariats en tout et pour tout. Voilà, j'ai essayé de vous montrer. Alors, celles qui me suivent depuis le début, bah voilà, se rappellent peut-être des partenariats que j'avais eu avec eux. Je sais que, bah voilà, forcément, vous regardez beaucoup, beaucoup de youtubeuses, et ce qui est normal, moi j'en regarde plein également. Donc, je sais que, bah forcément, vous ne rappelez plus. Et je voulais absolument, puis après, on se rappelle peut-être plus forcément de où ils viennent. Et du coup, je voulais remettre à l'honneur le partenariat et vous montrer tout ce que j'ai reçu de chez eux. Donc voilà, en tout du coup, j'ai reçu depuis un an 14 toiles du site en partenariat à Diamond Painting. Et il m'en reste 3 à faire du coup. Les roses rouges, la femme avec les papillons et le couple abstrait. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la boutique... Alors, la femme papillon est à 7,96 et le couple abstrait est à 8,85. Voilà. La toile d'automne avec le chemin, elle n'existe plus. Voilà. Pour le moment, elle est plus dans leur stock. Il n'y en a plus. Donc, maintenant, on va parler... Je vais revenir avec vous. Voilà. Donc, maintenant, je vais juste rabaisser un petit peu parce que j'ai l'impression d'être comme ça en l'air. Voilà.
Donc maintenant, je vais vous parler vraiment de ce que je pense de l'ensemble de ce partenariat. Donc c'est un partenariat qui n'est pas forcément régulier. 1 an, 7 mois, 4 mois, bon, voilà. Avec des nombres de toiles différentes, voilà. Alors après, est-ce que toutes ces toiles-là que j'ai reçues, je les aurais forcément choisies moi-même? Non. Donc j'aime bien ce principe quelque part de ne pas savoir ce qu'on va recevoir. C'est vraiment, on a vraiment la surprise jusqu'à la fin, jusqu'au jour où on les déballe. Est-ce que j'aurais pris la femme lisse? Non, pas du tout. Et pourtant, je la trouve magnifique une fois terminée. Est-ce que j'aurais peut-être pris les loups et quatre après? Non, peut-être pas forcément non plus. Est-ce que j'aurais pris le couple Saint-Valentin un peu sur le thème un peu africain? Non, je l'aurais pas pris. Et pourtant, je la trouve très jolie. Est-ce que j'aurais pris le bouquet de roses avec le vase partiel? Non plus. Et pourtant, au final, elle est très jolie. Donc, vous voyez, il y a plein de toiles que j'aurais pas forcément achetées, comme ça, en la voyant. Et du coup, j'aime bien le principe sur lequel chez eux, on ne choisit pas les toiles. J'aime beaucoup ce principe. Vraiment, on prend ce qui vient. Alors, si on se retrouve avec une toile qu'on n'aime pas, bah, tant pis. Mais une fois terminé, des fois, on change complètement d'idée. Moi, quand j'avais vu la femme lisse, là, je m'étais dit, mais elle est moche, cette toile. Elle est vraiment moche. Et une fois terminée, je l'ai trouvée très, très, très jolie. Donc, au final, vous voyez. Bon, par contre, comme je vous disais, le dernier partenariat qui remonte à il y a 4 mois, là, les deux que je viens de vous montrer, que je n'ai pas encore faites, celle-là, par contre, c'est moi qui les ai choisies. Voilà, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont changé leur façon, mais moi, j'aimais bien le principe de ne pas savoir ce qui allait arriver. Voilà, j'aimais bien ce principe avec eux. Alors, je sais que certaines n'aiment pas du tout ce principe-là, et moi, j'adorais ce principe-là. Alors maintenant, on va parler vraiment de ce que je pense vraiment d'eux. Alors, au niveau des dialogues, c'est assez, voilà, vous voulez faire un partenariat avec nous, oui, ok, machin, voilà, sur votre vidéo, on veut voir ça, on veut voir ça, on veut voir ça, on veut voir le lien de ci, on veut voir le lien de ça, voilà, ok, pas de souci, il y a le mail qui vient, le mail qui repart, enfin voilà, on a les réponses adéquates quand on les a vraiment en plein partenariat où ils nous demandent le partenariat, il y a bien le dialogue qui se fait automatiquement par mail avec une réponse ou deux par jour. Voire une journée d'écart, enfin le lendemain on a une réponse, ça traîne pas sur 6 mois, on va dire, hein, on est d'accord, ça va assez rapidement. Il nous envoie le lien du suivi de colis, donc tout va bien. Par contre, quand on rencontre un problème, et ben ils sont zéro. Voilà, il n'y a plus de réponse. Ils répondent aux abonnés absents, comme dirait l'autre. On n'a plus de réponse de leur part. Donc ça, c'est quand même vachement embêtant. Donc, comme l'histoire de mon Père Noël qui n'est pas terminée, eh ben, j'ai jamais eu de réponse. Je les ai relancés pourtant à 2 reprises. Je n'ai jamais eu de réponse. Voilà, c'est soit tu la jettes, soit tu te débrouilles, soit t'en fais ce que tu veux, mais aucune réponse. Donc, j'aurais pu en faire des confettis de cette toile, c'était pareil. Voilà, parce que, bah, en fait, je n'ai aucune réponse. J'ai commandé personnellement, donc ça ne rentre pas dans le partenariat, donc je ne vous le montrerai pas. J'ai commandé 3 toiles chez eux dans leur box mystère. Voilà, ils faisaient des box mystère, donc je m'étais dit, je vais m'acheter une box mystère, je veux voir à quoi ça ressemble. En tant que client, parce que j'ai pas eu de box mystère. Non, je pense pas que j'ai une box mystère dans tout ça, hein. Je me rappelle plus, mais je ne pense pas, non. Donc, je me suis dit, ben, je vais m'acheter une box mystère de 3 toiles chez eux aussi. C'est un partenariat, il faut aussi les remercier et une fois de temps en temps faire un achat. Donc, je m'étais dit, je vais acheter la box mystère. Sauf que quand la box mystère est arrivée, j'étais très, très déçue. Car en plein mois de juillet, enfin juin, juillet, je ne sais plus trop quand je l'ai tourné. Il faut retourner dans mes anciennes vidéos à Diamond Painting. Je me suis dit, mais c'est une blague. Trois toiles sur le thème limite de la Saint-Valentin. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils nous claquent leurs invendus de Saint-Valentin. C'est pas possible autrement. Donc, j'étais très, très, très déçue. Donc, je leur ai envoyé un mail en disant que voilà. Là, je l'ai contacté en tant que cliente et non en tant que youtubeuse et en tant que partenariat. Je l'ai contacté en tant que qu'acheteuse. Et que j'avais acheté une box chez eux. Et que j'avais été quand même très très déçue d'avoir reçu 3 toiles sur le thème de la Saint-Valentin, que la Saint-Valentin était passée depuis, ouais donc vous voyez, ça devait être en avril, alors que la Saint-Valentin était passée depuis 2 mois,
et que bah, j'étais super déçue, enfin 2 ou 3 mois, je ne sais plus exactement les dates, que j'avais reçu 3 toiles sur le même thème. Donc j'ai dit, est-ce que vous nous claquez vos invendus de Saint-Valentin? Point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment aléatoire? Dites-moi en plus. Dites-moi. Enfin ouais, voilà. Il fallait qu'ils m'en disent plus. Dites-moi en plus. Voilà. Parce que là, j'étais un peu vraiment en tant qu'acheteuse, j'étais déçue de recevoir tout sur le même thème. Voilà. Et que pour moi, c'était pas aléatoire du tout, mais qui vidaient leur fin de série. Toujours la réponse aux abonnés absents. Je n'ai jamais eu de réponse de leur part. Quand ils m'ont recontacté pour un partenariat, j'ai essayé d'aborder le sujet en disant oui, mais par contre, je voulais vous dire, j'avais acheté, voilà, donc oui, j'acceptais le partenariat. Par contre, voilà, j'ai acheté une box. Alors, ils m'ont toujours répondu au niveau du partenariat, jamais une réponse à propos de ces toiles. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que du coup c'est pas le même relation client, mais dans ces cas-là, ils physiquement disent, attendez, contactez la personne là, avec cette adresse mail là, ou je vais transférer, voilà, je vais transférer votre adresse mail et votre message afin que ça soit géré par la personne concernée, et voilà. C'est-à-dire que là, rien du tout. Quand il y a un problème avec eux, ils restent totalement néant. On n'a pas, donc vous voyez, en tant que youtubeuse, donc en tant que partenaire, pour un partenariat sur le Père Noël, qui est un partenariat, je n'ai eu aucune réponse. Et concernant les toiles perso que j'ai achetées, je n'ai aucune réponse. Alors après, est-ce que j'ai rencontré des soucis particuliers avec les autres toiles? Est-ce que j'ai pris du plaisir? Pour l'instant, avec A German Painting, je n'ai jamais été déçue de la qualité des toiles, de la qualité des diamants. Je n'ai pas d'écart dans les carrés, je veux dire pas plus qu'ailleurs. Voilà, c'est du kiff-kiff pareil à tous les sites de ce prix-là, on va dire, hein, dans la même gamme. Dans tous les sites de la même gamme, je n'ai rencontré aucun problème. Et est-ce qu'il m'a resté des diamants sur toutes les toiles? Oui, il m'en est resté à chaque fois. Et ce qu'ils annoncent est-il vrai? Ils nous annoncent qu'il y a toujours à peu près 30% de diamants supplémentaires pour chaque référence sur chaque toile. Effectivement, je pense que oui, parce que je n'ai jamais manqué de diamant sur aucune de mes toiles réalisées jusqu'à présent. Voilà. Je n'ai jamais été en manque de aucun diamant. J'ai toujours, toujours eu du surplus. Alors, est-ce que j'accepterai encore un partenariat avec eux? Ça est la grande question. Pourquoi? Parce que oui, je suis satisfaite de leur toile. Oui, j'aime bien la qualité, j'aime bien leurs images. Vous me direz, les images, on les retrouve ailleurs aussi. Est-ce que j'aime bien cette qualité? Oui, elle est aussi bien qu'une autre. Est-ce que j'accepterai le partenariat pour une raison plus qu'une autre? Oui. Si j'accepte un partenariat encore avec eux en 2022, si ils viendraient à me le proposer, parce que bon, voilà, pour l'instant, j'ai aucun, voilà, il se passe rien avec eux pour le moment. J'ai pas été recontactée pour 2022. Je vous dis, le dernier colis que j'ai reçu en partenariat date de 4 mois. Donc 4 mois, j'ai pas compté. Ouais, j'ai dû recevoir en octobre, je pense. Ouais, septembre ou octobre. Donc depuis, j'ai plus de nouvelles d'eux. Donc est-ce que c'est un partenariat régulier? Non, pas vraiment. Est-ce que je referai un partenariat avec eux? Oui. Pourquoi? Juste pour la qualité de leur toile et également parce que c'était le premier partenariat à me faire confiance. Voilà, à venir me voir et à me faire confiance. Par contre, j'ai un gros, gros point négatif quand on m'a rencontré un problème avec eux. Comme style, ils se sont trompés, ils m'ont claqué les diamants d'une autre toile sur ma toile de Noël. En plus, celle-là, c'est à croire que il devait se passer quelque chose parce que quand je l'ai reçue, elle était sale derrière et tout. À cette époque-là, je leur envoyais déjà envoyé un mail en disant, je trouve ça franchement dégueulasse d'envoyer en partenariat une toile qui va être vue par beaucoup de monde et avoir une toile dans un état aussi dégueulasse. Derrière, elle était toute sale. Ben, vous voyez, donc moi j'ai l'impression que la toile, elle a traîné comme ça, été ramassée, été mise dans un truc. On a claqué des diamants en se disant, c'est peut-être ceux-là, sûrement un paquet de diamants qui devait traîner. Sans vérifier, boum boum, et ça a été envoyé, ça a été claqué dans le partenariat. C'est moi qui suis retombée dessus, pas de bol. Alors, par contre, comme je vous dis, oui, mais
même à vous, en tant que client, je vais vous dire oui, foncez. J'avais pas trop eu de problème avec eux, sauf pour cette fameuse toile de Noël. Et est-ce que je vais vous dire de reprendre une box chez eux? Non, prenez pas de box. Prenez pas de box chez eux, parce que, enfin, pour ma part, hein, pour ma part, je parle. Pour ma part, j'ai été très déçue de la box, avoir reçu 3 toiles sur le thème de la Saint-Valentin et n'avoir jamais eu de réponse. Donc, c'est vrai que quand on rencontre un problème avec eux, eh ben, le dialogue est compliqué parce que, ben, ils jouent aux inconnus, voilà. Limite, l'adresse mail n'existe plus. Voilà, hein, limite, leur adresse mail à eux n'existe plus quand on a un problème. Hein, ils sont complètement dans le néant, ils prennent même pas la peine juste de dire, bah, écoutez, non, on vous en renverra pas une, jetez-la, ou on vous renverra pas la toile, si vous voulez pas la faire, vous l'achetez, si vous voulez pas la présenter, vous ne la présentez pas, rien du tout, rien, aucune réponse de leur part à propos de ça. Donc, j'étais un petit peu quand même déçue. Donc, est-ce que je vais finir, est-ce que je vais faire l'étoile qu'il me reste à faire? Oui. Et est-ce que j'accepterai un partenariat? Oui. Mais toujours, maintenant, vous êtes au courant que quand si vous rencontrez un problème lors d'un achat, c'est compliqué. Alors, je vais réaccepter. Bon, s'il me propose en 2022, hein, je suis pas submergée de partenariat. S'il me repropose toutefois un partenariat en 2022, oui, je l'accepterai. Mais si par contre, en 2022, je rencontre à nouveau des problèmes, que j'ai une toile, que je reçois une toile sale ou une toile dont les diamants ne correspondent pas à la toile, est-ce que... Non, ce sera terminé. Je leur... J'ai eu une fois une mauvaise expérience en tant que partenariat, une fois juste quelque chose qui ne me plaisait pas en tant qu'acheteuse. Et là, voilà. Après, je vais vous dire que sur 14 toiles, 2 partenariats, j'en ai eu qu'une qui a rencontré un problème. Vous voyez, sur 14, une toile qui a rencontré un problème qui est celle de Noël. Après, j'ai quand même 13 toiles qui sont quand même... J'en ai 3 encore à faire. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces vidéos comme ça, partenariat, vous ont plu. Donc, pas tout de suite, hein, forcément. J'essaierai d'en repasser une d'ici 2 mois. Voilà, régulièrement, une fois tous les 2 mois, c'est pas compliqué. J'ai eu 6 partenariats différents en 2021, donc j'essaierai une fois tous les 2 mois de vous faire une vidéo comme ça sur un autre. Donc là, la fois prochaine, je passerai sur un autre partenariat. Et les 3 autres toiles que vous n'avez pas vues, je pense que, du coup, les 3 toiles de chez Adjamin Painting que vous avez toujours, que ne sont pas encore faites, je pense que vous les verrez dans l'année où je vous ferai une vidéo... où j'écrirai dessus, voilà, toile de mon partenariat, j'ai terminé la toile de mon partenariat avec Adjamin Painting pour que vous les ayez tous vus terminer. Alors, comme vous voyez, j'ai fait toutes les toiles, j'en ai offertes à personne, voilà, parce que bah, le but d'un partenariat, bon, est quand même de les faire et de dire ce qu'on en pense. Moi, j'ai rencontré aucun problème particulier à faire aucune des toiles, que ce soit, j'ai toujours pris du plaisir à faire leur toile, que ce soit au niveau des carrés, des ronds ou des spéciaux. Voilà. Sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo ou si vous ne voulez pas voir les autres. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.